Alors, si vous deviez retenir trois opérations réussies dans la mandature de Gérard Collomb, quelles seraient-elles ? Ben, ce sont les opérations qui ont permis de lier la transformation écologique de la ville au mieux vivre et à la création d'emplois et à la lutte contre la précarité. Donc le mieux vivre, les berges du Rhône, évidemment. Retour de la proximité de la nature en ville, ça a été porté par les écologistes, par nous. Le projet lié, tous les projets liés au plan climat, donc l'isolation des logements, parce que c'est aussi un moyen de lutter contre la précarité et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et la création d'emplois qui est liée à la transition énergétique, que ce soit par exemple la création d'usines comme Gaïa ou le futur institut des énergies carbonées à la de la chimie. Donc lier la transformation économique aux enjeux écologiques. Donc la solidarité, le mieux vivre en ville et la création de nouveaux emplois. Et si vous deviez retenir trois opérations ratées dans cette précédente mandature ? Je dirais plutôt ce qu'on n'a pas fait. On peut d'ores et déjà transformer la 6 à 7 en boulevard urbain sans attendre le top. Et on a besoin, on doit le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre de construire une infrastructure autoroutière supplémentaire pour arrêter la traversée de l'autoroute par la traversée de la ville par l'autoroute. Évidemment, moi, je ne mettrai pas un sou dans le football et donc pas dans le grand stade ou n'importe quelle infrastructure liée au football professionnel. Donc déconnecter la politique municipale du sport business. Et puis peut-être un peu plus de soucis à la proximité, c'est-à-dire que ce soit à la petite enfance, que ce soit à faire des Lyonnais, des citoyens de leur propre ville, des acteurs de la vie quotidienne, et un souci à la vie quotidienne de tous, de chacun, du plus pauvre au plus aisé, de créer cette fierté dans une ville pour tous. Et quels sont vos trois projets prioritaires ? Il y a une urgence pour moi, c'est une politique massive d'isolation des logements. L'énergie, demain, c'est ce qui va tirer tous les revenus des ménages vers le bas, vers la précarité. Nous avons voté des objectifs dans le plan climat que j'ai conduit, 160 000 logements isolés en 10 ans, il faut la mettre en œuvre. C'est une urgence, autant écologique que sociale, ça doit être une priorité absolue. Le développement des transports doux, des transports en commun pour créer les alternatives à la voiture, pour permettre aux gens de se déplacer sans prendre leur bagnole. Alors, trajet piéton, puisque 60% des déplacements automobiles en ville font moins de 3 km, vélo, augmentation des transports en commun, investissement massif sur les transports en commun. Et le troisième, c'est un soutien à toutes les politiques de proximité. C'est un rééquilibrage du budget culturel vers les troupes, les petites troupes. C'est aussi un souci à la petite enfance. C'est un souci aussi vers les plus âgés pour les faire acteurs de la ville et des lieux de vie. Donc une vraie politique des petits projets et une politique de proximité. Voilà, si c'était les trois priorités, politique massive d'isolation des logements, politique massive des modes doux, et je pourrais ajouter de la nature en ville aussi, mais aussi une politique, une petite politique, une grande politique de petits projets pour tous. Merci.